Salut à toutes et à tous, c'est Timberwolves et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Live Alive. Bon, alors, on va charger le scénario de Pogo et on va reprendre là où on en était. Donc, on résume ce qui s'est passé la dernière fois. Ah oui, je m'en souviens, il faut aller chercher de la viande pour la fille. Ok. Bon bah c'est ce qu'on va aller faire. Allez, c'est parti. Donc, ah non, ce n'est pas là. Oh, ils sont vraiment chiants à courir partout, tout cela. Donc voilà, c'est là. On sort et on va aller renifler les ennemis. Allez, hop, ça va passer toi. Il y en a un là. Allez, c'est parti. Allez, on se remet dans le bain tout de suite. Et voilà. Alors, donc deuxième épisode. Ouais. Le scénario de Pogo n'est pas spécialement long, donc je pense que il en faudra pas non plus 36 000. Bon, pour l'instant les ennemis je les bute tranquillement, pas de problème. Ah, deux viandes. On va juste en choper un peu plus, ça fait de l'XP en même temps, donc c'est tranquille. Pour l'instant le scénario est assez paisible. Ah, c'est trop bien ça. Il s'est réveillé. What the fuck? En fait, ça sert à rien le sommeil. Et voilà. Oh. Je fais encore un petit combat et on rentre. Wow. Ça change. Essayer de le choper. Oui. Non, il m'a stoppé. Bon, voilà, il est comme ça. On va y aller comme ça. Ouais. Tu crèves, saloperie. Ok, c'est bon. Ah bah, il a pris un level, nickel. Bon bah on va rentrer. Allez, allez, allez. Putain, c'est vraiment une plaie, cet endroit. C'est... pas si tu peux, quoi. Bon allez, on va lui donner à bouffer à l'autre grognasse. Allez, mange. Ok. Ouais, c'est cool, mais... je dois t'en donner combien pour que tu... C'est bien beau, cette histoire, mais... oh mon dieu. Tu aimes faire ça à chaque fois? Ouais. 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 Mais c'est bien beau, mais...
En attendant, il n'y a rien qui se passe. Peut-être que c'est pas assez. Non, bon bah je sais pas. Ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on... On va déjà se fabriquer un truc, vu que j'ai chopé une corne. Alors, rien. Ça plus ça. Oh, ça a l'air d'être bien, ça. Bon, on va tout de suite regarder. Ah, merde. Trompette de touche, arme, logo, veste. D'accord, c'est un torse. Ouais, bon bah nickel. Hein. Tiens, bah, on va... Mon dieu, à chaque fois. On va profiter pour faire une petite save tranquille. Voilà. Bon bah, on va aller chercher de la viande, hein, écoutez. Hein. On va pas aller au chef. À rien. Bon, bah, je vois pas ce que c'est à part ça, hein, donc je crois qu'elle doit pas être satisfaite. Alors attaquer en masse là. Ça va plus vite. Nickel. Donc si vous avez pu comme vous avez pu le remarquer, les dégâts dans le dos sont plus puissants. Pareil pour le côté, ça c'est un système toujours très sympa à trouver dans les RPG. Donc voilà, donc live avait déjà ce système. Le système de combat de live là est vachement sympathique, n'empêche. Hein. Je sais pas trop à quoi ça sert, ça. Le Boko Boko est beaucoup plus puissant. Bref. Alors, on se laisse combattre. Bon, la séance de combat est un petit peu saoulante, mais bon, surtout que je chope pas de viande là, c'est vachement bien quoi. Ok, on va aller là. Ah là, je dois avoir des trucs, non? Putain, ils font mal, hein, ces bébés éléphants. Oh mon dieu. D'ailleurs, cherchez pas pourquoi, mais... Ils sont tout seuls. Bref, Putain, il y a des ennemis partout. Bon, bah, nickel. Toujours pas de viande, par contre, hein, ça c'est... C'est magique, hein. Bon, on va essayer de les faire vite fait là, c'est chiant. Oh, il m'interrompt, je crois. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. En fait, c'est que l'odeur s'égare ou je ne sais quoi. Ah, d'accord. En fait, il faut aller sur le point de spawn du nuage. C'est pas une bonne idée, ça.
tiens. Oh, one shot. Je commence à devenir balèze là. Allez. Voilà. Fang. Fang, c'est pas défense. Pilé. À moins que ce soit le gros 1. Bon bah on s'en fiche de toute façon. Il faut tuer de la bestiale. Voilà, allez, c'est fait pour toi. Oh merde, il est même pas mort. Viande, viande, viande. Il m'en faut encore. Hein. C'est bizarre, n'empêche. Oh putain, c'est tout le temps les mêmes trucs. Pourquoi je disais c'est assez étrange parce que je lui donnais quand même 6 viandes à la grognasse. Putain. Et elle prend pas de poids. Hein. C'était bien n'empêche la préhistoire. T'avais pas besoin de taille-film. Ok, donc ça c'est pour la viande. Mais ils me gavent avec leur tête de d'éléphant quoi. J'aime pas les éléphants. Dommage. 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 Bon les putes. Pas de vulgarité. Alors, je sais pas trop ce qui m'a fait comme tête gorille mais. C'est bon là. On rentre. Je pense que c'est bon. Non, il y a intérêt. Ok. Bon bah toi t'es bien placé. Bim, dans les fesses. Voilà. Allez, on passe à la suite. J'espère qu'elle sera rassasiée parce que ça me gave là. J'ai envie de passer à la suite. Regardez les fesses de gorille. J'avais juste envie de faire ça, mais c'est pas que tu m'énerves toi. Mais... Putain, en fait, on est le seul homme intelligent ici. Donc, on a que ça. Hein, on est toujours la même animation de merde. Autre chose, ça fait pas. Non, je peux pas. Tu veux que la viande. Peut-être qu'il lui en faut 10, hein. J'en ai déjà donné 6, donc si je lui donne tout ça, ce serait bon. Ouais, animation est chiante au bout d'un moment. Tiens, une de plus. C'est dommage, j'aurais bien voulu en garder un peu de viande. C'est toujours utile pour se soigner en plein combat. Encore ! Démoniaque, c'est abusé, mais... Je me demande si... Putain, mais arrête de courir comme un taré, toi. Oh mon dieu, si on prend ça. Bon,
Bah c'est reparti. Je sais pas là. Je sais pas. Franchement, je... Loki Smart. What? D'accord, c'était ça. D'accord. Alors, depuis tout à l'heure, je me fais chier littéralement à donner de la bouffe à l'autre grognasse. Alors qu'en fait, bah, il n'y avait pas besoin. Voilà. Ouf. Vlad. J'adore ça. Allez, on fait tourner un petit truc. Ah, donc ils l'ont trouvé. Ouais, go. On va se défiler. Pourquoi pas. Ah, énorme. J'adore ces animations. Oh, lag. Ouais. Par contre, l'animation du rire fait assez peur. C'est parti. Oh, le skin des mecs. Ça fait peur. Donc, si je me souviens bien, celle-là, c'est une soigneuse. Donc, faut la retirer. Ouf. En arrière, ça sera nickel. Alors, fight. Elle a pas encore de move de soin. D'accord. On va faire passe alors. Merde, c'est le sommeil. Je suis trop bête. Alors, U au plus, c'est ça? Ouais. C'est sûr que ça va pas l'interrompre? Ouais, c'est bon. Allez, au revoir, vous deux. Putain, lui, il prend cher. Pogo prend cher. Ah, tu me saoules. Voilà. Bon. Lui, ça va être plus chaud, je pense.
Ouh, yeah. Faut pas se mettre en diago avec lui. Non, pas Guigui. Hop. Passe. Tiens. Allez, on va te casser la gueule. Salope. J'adore son attaque, c'est... c'est pas mal. Regardez son doigt. C'est moi ou... non, on va rien dire. Alors on se tape la petite cinématique. Ouh. Ok, il les vire. Voilà, bon bah on se retrouve maintenant dans la nature. Et pour le meilleur ou pour le pire. Oh, la petite musique dramatique. Avec en direct un combat en tant que meilleur. Et bah tiens, ça va être l'occasion pour la fille de s'entraîner un peu. Wow, ça la couche. Elle est couchée. Allez, c'est pas grave. Elle est super fragile. Alors, il faut savoir dans Live Live que quand un perso n'a plus de vie, il n'est pas mort. Il est assommé et on peut toujours le ressusciter ou tout ça. Par contre, s'il se fait frapper alors qu'il est au sol, là, il meurt vraiment. On va chercher les ennemis, hein, on va pas se faire chier. Par contre là la musique est vachement bien. Oh putain, par contre là ça ne va pas le faire. Run. Run. Oh mon dieu. Franchement, on tente. Franchement, on se casse. J'ai pas le temps d'écouter la musique. Alors, costume ça. Ah! Il est pas si... C'est pas si mal que ça. On va tester. Ouais, non, en fait, non. Non, c'est bon. Écoutez cette musique. J'ai même pas bougé. Ah, ça c'est faisable par contre. Ah ouais, par contre il va falloir que... Non, toi tu vas. On passe. Ouais. Comme ça lui il se met là et il devra encaisser les coups. Allez hop.
Voilà. C'est bon. Ok, what? Bon, d'accord, je fais une petite coupure. Je reviens tout de suite. Ok, on se retrouve. Ouais. Bon, bah c'est parti. En fait, j'ai un petit problème IRL. Donc c'est reparti. Allez hop. Est-ce qu'on va pouvoir écouter la musique? Non. Non. Non, pas le droit. Oh, c'est quoi ce truc? Mon Dieu. Ouais. On va essayer, hein, s'ils font pas trop mal. T'as rien appris, toi. Ouais, en fait, elle sert à rien. Mais pour l'instant, elle sert à rien. Tiens. Allez, occupe-toi de lui, là. Les vieilles autruches. Il est en train de se faire défoncer. Allez hop, on finit l'autruche. Ok. Où il fait la gueule? Gorille m'a toujours fait délirer. Ouf. Oh, il est couché là. Ah, nickel. Et Fourgaï, Peltfoon. Je crois qu'elle a pas encore gagné de technique. Donc si on reste là, logiquement, il n'y a pas de combat. Voilà. Donc on peut s'écouter la musique. Bon. Dommage. C'est vraiment une musique de ouf. Bonne bonne. Oh, ils attaquent en diagonale. Tiens, on teste. Oh, pas mal. Ça fait baisser en vitesse. T'es pas dans la merde, toi, en fait. Alors, qu'est-ce que t'as chopé comme ce qui... Ah, bah voilà. Elle devient enfin utile. Alors, lui, il a chopé Ukipu. On va tester ça. Qui pue. Quand tu prononces ça comme ça, c'est quand même pas très crédible. Ah ouais, la position quoi. L'attaque est pas mal, mais bon. On va faire pareil. Voilà, cette attaque est énorme. Bon, alors où est-ce qu'on va maintenant? Si on se fait pas choper par des mobs tout le temps, ça devrait être pas mal. Alors cela, je devrais le gérer sans problème. Voilà. Super. Ah,
Ah, il y a un mec. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah oui, c'est le craft. Du coup, j'ai eu pas mal de trucs. Skin strip. Avec ça après. Non. Je sais pas. C'est une touchstone. Bora. Elle est à poil. Je crois. Bah du coup là on peut écouter la musique. Boum boum boum. Ah, il y a une petite save. Bon bah nickel. Essayer de contourner les ennemis parce que ça me fait un peu chier quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Y a rien. On va continuer par là. On va essayer de se rendre au prochain endroit et on va couper la vidéo là. On aura pas beaucoup avancé mais bon. Le scénario n'est pas spécialement long, ça, ça devrait passer tranquille. Je crois que c'est là. Il y a une pierre bizarre, tu vas aller voir. Oh, je suis allé là. Commence un petit peu à me saouler. Les niveaux 4, c'est hier que je voulais les voir. Ouais, super. Ok, y'a rien. Je fuis pas parce que j'ai besoin de taper. Level 7. Je sais pas si elle a gagné un coup. Je crois que si, ouais. Alors, où est-ce qu'on voit là? Ah. Là qui est intéressant. Il me semble que ici, donc ça va être la suite et on va perdre la fille, si je me souviens bien, je sais plus trop. Donc si c'est pour la perdre maintenant, j'aimerais bien juste qu'elle prenne encore un level, qu'elle prenne un sort de soin supplémentaire. Ça serait effectivement pas mal hein, en vrai. Tester ça qui a une portée assez spéciale. Oh oui, c'est un drain de vie. Ça c'est pas mal. Oh putain, par contre elle se fait coucher à chaque fois mais... Oh putain,
c'est long. Je sais pas si je devrais pas fuir contre ces éléphants à la con, parce qu'ils doivent me rapporter que dalle en XP. Ça rapporte par contre. Bon, avec une bonne vieille attaque qui fait des. Oh, presque one shot, je pense. On va tester. On devrait le finir. Wow. Bon, bah, adieu. Hein. Bon, là elle est morte, donc elle ne va pas gagner d'XP. Bon bah tant pis hein. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe quand il y a une mort, pas d'XP tout simplement. Ah tiens, c'est pas mal ça. Quand on renifle, la fille elle ne fait rien. Moi je run là, c'est bon. Il me faut quelque chose de mieux que ça. Ouais, à la limite, hein. Oh, monsieur casse-couille. Bon. J'aimerais bien que la fille prenne un level. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Putain, mais c'est pas que des ennemis comme ça qu'on va avancer. Hein. Mais elle se fait coucher, mais c'est un truc de ouf. Une attaque d'un sanglier, quoi. Oh mon dieu. Putain, mais non, mais. Meurs. Séance d'XP à la con. Je veux juste qu'elle up. Non, ça veut pas. Hein. Il me faudrait des ennemis un peu plus costauds que ça. Tiens, un mammouth. Moi j'ai envie de dire, pourquoi pas. Voilà, tu vas te foutre là et tu vas nous heal. Voilà, il prend beaucoup moins cher. On va lui foutre du poison. Hop. Et on va se faire. Ok, il peine, hein. Allez, hop. Continue à piquer des BM.
Bon, je suis le mammouth, hein. Combat épique. Ah, il change de cible. Ça m'arrange un peu en même temps. Je vais pouvoir soigner les trois en même temps. Hop. Voilà. Ouais. Ah, elle a rien gagné. Putain, j'y crois pas. Bon, bah tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. Allez, on passe. Alors, on va faire cette petite scène. Et après, on terminera là. Ok. Oh putain. Mon Dieu. Non, mais ça servait à rien, ça. Mon Dieu. Là, là, là. Énorme. Et donc voilà, on a un scénario sans dialogue. C'est ça que je trouve épique dans le scénario, c'est qu'il n'y a aucun dialogue. Ah oui. Et voilà. Alors là c'est solo je crois. Faut faire gaffe de pas passer dans ces diagonales. Est-ce que je peux toucher là? Et là tu t'es fait avoir mon petit gars. On va te shipper de la vie. On continue. J'ai l'impression qu'il me fait de moins en moins mal. Ça doit être grâce à mon absorption pour moi. Absorption. Absorption. N'importe quoi. Ouais, vous voulez être trop simple quoi. Il recommence à me faire des fucks. Et on va le finir à l'ancienne. Thank you.
crois qu'il faut aller chercher Gori. Voilà. Maintenant. Donc j'enchaîne. Oh mon Dieu. Voilà. Donc voilà comment ça se passe, cette petite cinématique. Donc voilà, c'est bien ce dont je me souvenais. Donc on perd la fille. Et là on se retrouve dans un champ de fleurs. D'accord. Où est la logique? À part qu'il soit dans le coma, mon Dieu. Je vois qu'il y aura un truc bizarre, je sais plus. Ah oui, voilà. Il s'en prend toujours plein la gueule, le singe, mais c'est un truc de ouf. Ah oui. Bon, ça ira. Ça par contre, on peut s'en occuper. Ouais. Essayer de l'avoir maximum. Oh, fait mal ce truc. Donc c'est des taupes à lunettes, logique, avec des pelles. Qui n'ont pas de vie. Donc ça c'est pratique par contre. Les alligators sont par contre ingérables. Je m'en rappelle très bien. Faut même pas chercher à essayer de les avoir. C'est bon. Ouais, je Kikoko machin. Est-ce que je vais aller putain voir rien? Il me semble. On va essayer, hein. On sait jamais.
Non, c'est mon rêve. Puisqu'il s'est pris dans la tête et qu'il est pas mort, qu'il fait hyper mal. Oh putain, putain, putain. Oui, je crois que j'ai ça. Oh merde, c'est du sommeil. Ouais, avec lui, on les nique un par un. Pas trop le choix. Ça, j'ai beaucoup plus utile contre les taupes. Hein. Oh mon dieu. Putain. Oh merde. Ouais, c'est bon, il a bougé dans la zone. C'est chiant ce genre de combat. On va essayer de se sortir de là et ensuite on arrêtera la vidéo ici. Parce que ça me stresse, pote. Je crois qu'on va courir aussi la prochaine fois. Okay. Ah oui, bien sûr. Il y a un parfum de mort, c'est spécial. Oh mon dieu. Ok, 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 ça commence à me gaver de rien voir. Ça leur fait plaisir. Voilà. Putain, j'ai vraiment aucune idée de ce qu'il faut faire. Si on peut faire ça, c'est que il doit avoir une entrée. Ok, c'était ça. Ok, on va sortir. Si c'est bon. Comment il a fait? Putain, mais il y a des choses dans ce scénario qui me dépasse. Allez, un petit dernier combat. Pour le fun, pour voir ce qu'il y a ici. Oh, des autruches assez spéciales. Tiens, on va te faire. Non, on va te faire un coco, on va te faire un boum boum. Non, on va un gabarache. Nga. Ouille. Ça fait mal. Oh non, pas mis. On va essayer de pas le miss cette fois. Eh ben, il y a David, cet enflure. Thank you.
de l'avoir. Allez, il faudrait que je finisse avec ce coup-là. Il devrait être fini là. Bon, allez, écoutez, hop. Bon, c'était pas un épisode très intéressant, hein. Beaucoup trop de combats, bien sûr. Ça va être un petit peu mieux parce que là, on va approcher de la fin du scénario. Avec la fin est quand même pas mal, hein. C'est beaucoup moins. Donc là, on va avoir une petite zone à traverser et puis après, ça sera vraiment la fin. Bon, bah, j'ai galéré, mais bon. Allez, on va se laisser là, save. Donc j'espère que ça vous a plu tout de même. Désolé si j'ai pas pu trop parler à certains moments, mais bon. Phase de combat sur phase de combat, c'est un petit peu chaud. Non mais non, on va arrêter là, live. On va arrêter là, même s'il y a des mammouths qui me tombent sur la gueule. Allez, salut et on se retrouve à très bientôt pour l'épisode 3.